Bonjour à tous, c'est Olivier. Vous êtes ici sur Ici Ailleurs. Ici Ailleurs, c'est une nouvelle chaîne YouTube. Je voulais vous parler de voyages, de découvertes, de plein, 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 plein de choses. Je vous retrouve de suite après le générique pour vous expliquer tout ça. Allez, à tout de suite. Donc bienvenue à tous dans sur cette nouvelle chaîne YouTube. Alors il y a toujours un point de départ, hein, c'est le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on part en voyage, quand on part faire de nouvelles découvertes, eh bien, c'est souvent à partir de chez soi. On est dans son salon, on est avec des amis, on boit un coup, on est dans son quotidien et puis on rêve d'aventure, on se dit tiens, ce serait bien d'aller à l'autre bout du monde, en voyage à l'étranger, quelque part où on a repéré quelque chose, une montagne, un monument, ou bon, il y a plein plein de choses. Et finalement, entre l'idée qu'on a chez soi et le moment où on va se retrouver sur une montagne, bon, peut-être quelque part en Amérique du Sud, ou qu'on va se retrouver dans un désert en Afrique, ou dans une jungle en Asie, ben, il y a tout un cheminement, il y a plein de moments, il y a plein de choses qui se passent. Et entre le moment aujourd'hui ici où voilà, on commence à parler de voyage, on commence à parler de découverte, et le moment où on se retrouvera ailleurs, dans un ailleurs qui des fois est peut-être pas si loin, eh bien il va se passer plein de choses. Et c'est entre ici et ailleurs, ce là-bas, que je vais faire la route avec vous. Alors, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on va faire dans Ici et Ailleurs? Dans Ici et Ailleurs, on va parler de voyage, comme je vous ai dit. Alors, le voyage, faut d'abord, je dirais, avoir l'idée de ce que c'est. Est-ce que c'est simplement, finalement, se retrouver avec un monument derrière le dos et faire un petit juste comme ça en faisant des photos? Est-ce que c'est envoyer une carte postale de l'étranger à des amis? Est-ce que c'est ramener quelques babioles à la maison? Franchement, on peut se poser la question. Pour ma part, dans le voyage, il y a le côté du regard qu'on peut porter sur l'autre, qu'on peut porter sur les choses, qu'on peut porter sur les rencontres qu'on fait. Et finalement, ce regard-là, on peut l'avoir loin, mais aussi, des fois, on peut l'avoir près de chez nous. Et c'est là qu'on est souvent le plus dépaysé. Alors, ce que je vous invite à faire avec moi, c'est déjà vous abonner à cette chaîne, hein, parce que je pense qu'on va voyager très bientôt. Je vous prépare une surprise. On passera du salon à une autre pièce de la maison pour un voyage, vous verrez, je vous en dis pas plus. Et aussi par rapport au voyage, ce que je voulais rajouter, c'est que quand on aime voyager, j'ai eu l'occasion quand j'étais plus jeune d'aller à droite à gauche, d'aller dans d'autres pays, d'apprendre d'autres langues. Et finalement, un jour, on rencontre quelqu'un, et avec ce quelqu'un, on a aussi des enfants, et ce sera de voyager avec les enfants, parce qu'il y a notre regard, le regard qu'on peut porter sur le monde, sur les autres, sur les choses, il y a aussi le regard des enfants. Et des fois, ça se passe bien, et des fois, ça se passe un petit peu moins bien. Disons qu'on a envie de marcher, on a envie. Puis les enfants, ils n'ont pas du tout envie, et là, ça clash. Alors, il faudra associer un petit peu les deux, en faisant des choses originales. J'habite dans l'Aveyron, vous pourrez découvrir ce département, je vous le ferai visiter, on ira aussi pas mal sur les départements limitrophes, en Lozère par exemple, dans les Cévennes, j'adore les Cévennes, dans les Pyrénées, dans les Alpes. Et on essaiera de découvrir ces régions de façon un petit peu insolite, un petit peu originale et avec des enfants. C'est-à-dire que on va aller sur des sommets, sur des montagnes, on va aller sous terre, on va aller à droite, on va aller à gauche.
On va essayer d'ouvrir les yeux sur plein de choses et rencontrer plein de gens. Voilà ce que je vous propose dans Ici et Ailleurs. Pour l'instant, donc comme je vous disais au début, je suis dans mon salon, j'ai pas grand-chose à vous proposer parce que c'est le point de départ, mais quand même, je vous montre deux trois rushs tout sympas de voyage que j'ai fait auparavant. Il y en a un où je suis relativement jeune, c'était il y a un moment. Je vous laisse les apprécier et je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas, si vous appréciez cette chaîne, abonnez-vous. Vous avez aussi, vu que j'aime la photo, la possibilité de visiter mon site Flickr, ma chaîne Flickr, qui doit s'afficher ici, ou ma chaîne Instagram, qui doit s'afficher là, hein, sur l'écran. N'hésitez pas. Je vous envoie les rushs avec une petite musique sympa et je vous dis à bientôt. Allez. Bon, voilà. La route est bloquée. Il pleut. J'ai bien fait de partir. Je vais essayer de passer sans me prendre un caillou. Le Gange en dessous. Allez. Putain. Oh ben ça y est, je suis arrivé. Voilà, je sais pas où je suis. Dans les montagnes, mais voilà, c'est la fête, on va aller faire un tour tout à l'heure. Donc je suis en train d'avoir le hand massage, là il vient de sortir une machine, je sais pas ce que c'est. C'est un peu effrayant. Bon, allez, c'est parti. Oh putain. Putain. Oh le truc de ouf. Waouh. C'est un vibromasseur avec une ventouse pour la tête. Voilà. Le sommet là-bas. Là, je suis là, dans un arbre. Et ouf. Il y a Vincent qui est juste là, en dessous. Marks out points of a compass with precision of an unerring degree. Shafts of lights and earthly bodies to the skies, reincarnated as a star in our own galaxy.